Ouais, c'est un grand lac. Voilà le tourisme à Pointe-Noire. C'est ça qu'il faut découvrir à Pointe-Noire. Un tour de bateau dans le lac, lac Nanga. Et c'est beau, c'est là qu'on découvre les paysages du Congo, la verdure. C'est là qu'on découvre quand même le Congo profond, la verdure. Bon, là-bas, je pense que c'est une carrière qui est exploitée par les Chinois, je crois. Et on ne se rend pas compte en fait de la grandeur du lac. Et c'est lorsqu'on est en plein dedans, c'est là vraiment qu'on voit que c'est un grand lac en fait. C'est un très très grand lac. Comme vous voyez, le Congo en fait c'est un pays vert. Nous on a la verdure, on a tout ce qu'il faut. Pour toutes les personnes qui connaissent pas encore le Congo, pour les gens qui aiment la verdure, les gens qui aiment la nature, c'est dire que le Congo c'est un pays encore inexploité en fait. C'est encore inexploité, mais c'est vert, c'est naturel. Donc je vous invite à venir faire un petit tour, à faire des traversées sur le lac. Il y a plein de choses. Pour toutes les personnes, je sais qu'il y a des gens qui aiment la nature, qui aiment la verdure. Alors là, pour les botanistes, les vraiment machin, là je pense qu'on peut s'éclater. Dans un environnement naturel préservé depuis des générations. Ce lac-là est celle-là qui a été préservée depuis des générations. Voilà, venez faire la découverte de ces endroits magnifiques. Ces endroits qui sont touristiques mais qui n'ont jamais été exploités par l'homme. Que le Congo c'est un paradis inexploité, un paradis méconnu par les touristes. Alors voilà, pour ça que moi je vous invite à venir. Toutes les personnes qui n'ont jamais visité le Congo, il y a du potentiel, il y a plein de choses à voir. Du potentiel. Alors si vous aimez le poisson, eh ben, le poisson vous en trouverez. Rien que dans le lac, le poisson d'eau douce. Et bien vous en trouverez beaucoup. Oui. Nous avons un tigre là.